Allô YouTube, j'espère que ça va bien. On est... Faut que j'y pense. J'y pense encore. On est mercredi. On crève d'heure, il fait chaud. Je suis levée depuis longtemps parce qu'il est en fait 2h15. Puis ce matin, j'avais plein de choses à faire puis j'ai oublié ma caméra de vlog. Fait que chapeau la championne. Puis après, je suis allée prendre une marche puis mon tiroir est ouvert. J'ai fait une bonne petite marche, j'ai fait environ 3 km lentement au centre-ville, mais il faisait tellement chaud, j'étais comme cet après-midi ça va être dégueulasse. Fait que je suis revenue chez nous, j'ai allumé la clim, là je l'ai fermée parce que je voulais filmer quelque chose pour vous quand même. Même si c'est pas un vlog, j'aime ça vous faire des petites vidéos. Fait que là je me suis dit, je me ferais une boisson fraîche. Je me suis fait en fait un refresher. Tu sais les petits sachets que j'avais achetés au Starbucks. Hein? Fait que l'enfant, je me suis dit que je m'assoirais puis je vous montrais plein de colis que j'ai reçus récemment. Puis, ben pas plein, là, il y en a 1, 2, 3, plus que j'ai eu ce matin, c'est ça. Fait que ce matin, oh, j'ai eu chaud. Ce matin, je suis allée à un showcase de Alessi. Je crois que je vous ai déjà amené avec moi dans un vlog, peut-être cet hiver. Anyway, je me rappelle pas. Je sais pas pourquoi j'ai une couette comme ça, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, je l'avais tout dit. Je vais vous montrer ce que j'ai eu à l'événement à Alessi. J'ai même pas regardé moi-même, ils m'ont donné un petit sac. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais... C'est une marque d'objets design pour la maison. Donc à chaque saison, je dirais 2 ou 3 fois par année en fait, ils font un événement dans un hôtel. Tu te rends à l'hôtel, puis là, ils te montrent voici les nouvelles collections, voici les nouveautés. Puis Alessi, c'est vraiment là, les grands noms du design. Là. Italien, c'est fou, c'est tellement beau, là, puis c'est super luxueux. Là. C'est genre pour faire des tranches avec vos truffes. Ben oui, j'en ai 2 caisses dans ma pantry des truffes, surtout des blanches, tu sais. Ça coûte surtout pas 125$ le gramme. Alessi voulait nous montrer toutes les nouveautés, les belles assiettes. Il y a des choses vraiment pas chères aussi. Là. On dirait que c'est comme pour une vie de luxe, mais les objets sont abordables. Alessi, c'est vraiment chouette parce qu'ils ont des nouvelles collections à chaque année. Là, il y avait comme beaucoup de trucs pour Noël. Je sais qu'il est tôt, là, mais moi, je capotais. Je voulais vous montrer dans le catalogue. Wow! C'est comme des œufs à berger, mais des décorations de Noël. Je sais pas si vous voyez, là. Le petit soldat, là, il me fait capoter. Puis il y a comme ça ici avec le petit nez qui dépasse, là. Ah! Hi, je capote. Le 2 ans, j'avais eu une décoration de Noël, elle est dans mon arbre tout le temps. Là, c'est plus petit, fait que je crois que ça doit être un petit objet. Ah oui! Très cool! J'aime assez ça, ces objets-là. Là. J'ai une cuillère à comblacé qu'ils m'ont donnée qui est trop belle. Là. Fait que ça, regardez, c'est comme un petit cœur. Est-ce que vous savez c'est pourquoi? Je vous laisse y penser pendant que j'ouvre la boîte. À quoi ça sert? Eh bien, c'est pour séparer des noix en deux. C'est pour les noix de Grenoble, en fait. Tu prends ça, puis c'est comme... Tu peux vraiment craquer. La coque d'une noix, c'est très pointu. C'est très joli aussi comme objet, juste comme ça. Là. Vous pouvez le déposer sur une tablette, puis c'est beau. Là. Puis c'est ce que j'aime de cette marque-là, dans le fond, c'est que c'est toujours avec un souci de design et d'être le plus beau possible. Ça marie l'art et l'utilité. Merci Alessi. C'est sûr que je vais faire un billet sur mon blog avec toutes les nouveautés. Il y a tellement de belles choses. Là. Mais pas tout de suite. On va se garder une petite gêne pour les affaires de Noël. Ensuite, j'aimerais juste vous rappeler qu'il fait chaud. Ensuite, j'ai reçu des masques dans cette belle boîte avec cette jeune fille sur le devant de la boîte. Et c'est marqué « Collection de masques minéraux ». Puis je l'ai juste entrouvert, mais on dirait que je les connais déjà, ces masques-là, mais c'est marqué « Nouveau ». Fait que ça doit être des nouvelles versions, je sais pas. J'ai pas de communiqué de presse avec. Mais il y a plusieurs choses. Ah, ça c'est le fun! Regardez, ils m'ont mis un petit bandeau. Pour quand tu fais tes masques, là, comme ça, tu t'en mets pas plein, plein le visage. Ah oui, c'est vraiment... Je me sens élégante, là. Le dernier cri! Mais c'est cool, j'aime ça. Ouf, j'aime ça quand les objets qui vont avec des échantillons médias sont utiles pour utiliser l'objet en question. Le premier, c'est le masque minéral désaltérant. Et ça, c'est évidemment minéral et désaltérant. Marqué, formulé avec la vitamine B3 de l'eau thermale minéralisante de Vichy. Ça, là, c'est cool, ces kits de masques-là aussi, là, c'est pour faire du multimasking. Tu mets plusieurs masques selon tes besoins de ta peau. Tu sais, des fois, on peut avoir besoin comme d'hydrater ici, puis le... je me taponne n'importe comment. Tu peux avoir besoin d'hydrater et de purifier en même temps et de calmer. Moi, j'ai une peau vraiment fragile. C'est comme un masque gel, comme ça ici. Vous voyez la texture, c'est très transparent aussi. Hein. Je vais pas les ouvrir par contre parce que j'en ai encore de l'autre batch d'avant. Le Pore Purifying Clay Mask, je vais le lire du côté français. Le masque argile purifiant pore aux 2 argiles minérales. Pas une argile, 2. Je suis en train de dérincher la boîte. C'est pour les amis français, dérincher ça veut dire briser. Et voilà, comme ça.
Puis finalement, le masque Peel Double Éclat au pierre volcanique et AHA. Puis ça, c'est bien pour faire le renouvellement, donner de l'éclat, le renouvellement des cellules. Voilà, comme ça. Donc je vais m'en servir dans des vlogs, puis je vous en parlerai peut-être plus en détail quand je m'en servirai. Peut-être j'ai reçu un cadeau de mes amis chez Fruits Passion. C'est une réédition d'un grand classique. Fruits Passion ont 25 ans cette année, fait qu'ils font des petits coups d'éclat comme ça pour souligner l'anniversaire. Je sais pas si vous vous souvenez des bouteilles qui avaient comme des céramiques sur le dessus avec des fruits, là. Mais ils ont fait une réédition dans différents parfums, puis c'est une édition limitée. Je l'avais vu quand ils ont fait le showcase avec toutes les différentes décennies de produits, là. Alors lequel j'ai reçu? Dans la boîte, comme ça ici. Ouh! Ah, ça va sembler comme ça ici. C'est le bain moussant, en fait, que j'ai eu. Pamplemousse goyave. Très beau. Regardez ce que je voulais dire, l'espèce de bouchon avec presque une corne d'abondance, là. Ça me rappelle des Noëls d'autrefois. Là, on dirait que j'avais toujours une tante qui donnait ou qui offrait ça. Mais j'aime tellement les bains moussants de Fruits Passion, là, fait que ça va être bien. Mais je vais pas l'ouvrir non plus, je vais l'ouvrir dans un blog ou quand je m'en servirai. Donc la bouteille de collection, ce qui est le fun aussi, c'est qu'après, si vous voulez acheter des bains moussants ou des produits en petits bidons, là, comme ils ont, vous pouvez la remplir après ou mettre votre produit préféré d'une autre marque, c'est correct. C'est correct aussi. Mais dites-les pas à Fruits Passion que j'ai dit ça. Finalement, j'ai reçu un colis de Society 6 et c'est mon père qui a acheté ça pour moi. Puis je pense que je sais c'est quoi. Oui, c'est le couvre-lit fleuri que je voulais. Il l'a commandé puis il l'a fait envoyer chez eux. Fait que là, il l'a reçu puis il me l'a envoyé. Parce que c'est ça. Oh, regardez les couleurs. C'est toutes des grosses, grosses fleurs, là. Ah, ça va être magnifique. Mais je vais le mettre sur mon lit tantôt. Regardez. Il y a comme un côté vintage quasiment, mais en même temps, c'est tellement actuel dans ces couleurs-là. Trouvez-vous qu'il me fait bien? J'ai comme envie de l'ouvrir plus pour vous montrer plus. Regardez ça, comment c'est beau. Oh, je l'aime! Il y a plus de couleurs encore. Wow! OK, je pense que ce bout-là va vous donner une meilleure idée. Regardez. Ça va être magnifique avec le gris de mon lit, là. Ça va être vraiment beau. Merci, papa! Donc, c'est tout. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'aurais aimé ça vlogger aujourd'hui, mais vu que j'avais pas commencé ce matin, là, puis tout ce qui me reste à faire après-midi, c'est travailler. J'ai plein d'articles à écrire, donc ça aurait pas fait un très bon vlog. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à donner un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Puis on se dit à demain. Bye YouTube, c'était le fun!